Bonjour à tous, aujourd'hui encore on va jouer à Transport Fever 2, on va voir si ça plante. Pour l'instant ça plante pas, on va voir. Donc on va continuer notre partie qu'on a commencé la dernière fois. Je vais remercier le petit marin 83 pour le follow, merci beaucoup à toi et bienvenue. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui dans Transport Fever 2, c'est qu'on va continuer de faire nos voies de transport de passagers. Parce que oui, c'est ce qu'on a laissé un peu de côté depuis quasiment le début de la partie. Et ça sera intéressant d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des passagers dans nos trains. Donc d'améliorer tout ça et d'essayer de faire un train de passagers qui traverserait absolument toutes les villes de notre carte. Ça sera bien. Une sorte de transcontinental, ça sera l'objectif à long terme. Atteignable ou pas, je pense que oui, mais tout est une question de temps. Donc voilà, retournons à nos moutons. Donc la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait une boucle ici entre Salem, Concord, Cleveland et Erie et Chattanooga. Oui, c'est ça, on passe par Erie, où les passagers peuvent passer, et cette voie est ultra rentable. On lui a même mis une deuxième, et même celle-là commence à être rentable. Intéressant, donc celle-là va falloir modifier les wagons. Là, c'est des wagons du Moyen-Âge. Donc, va falloir changer ça. Et on va mettre les métro-lignées, hein. c'est ce qui est le mieux, métro-lineur. Oui, c'est ça, deux sur le même, bien sûr. Parce qu'ils vont plus vite, et ils atteignent leur vitesse de pointe plus rapidement que les autres. Donc voilà, et en plus, ils transportent plus de passagers, donc tout le monde est content. Donc voilà, ça c'est bon. Là, ici, on a notre transport ici. Ça a l'air d'être OK niveau passagers. On en a mis beaucoup. Il y a beaucoup de trains sur les voies, en fait, sur ces boucles ici. Il y a deux sens. Un sens comme ça et un sens comme ça. Et sur chacun, il y a trois locaux. Donc ça fait pas mal de gens qui voyagent, mais normalement ça devrait suffire. On verra au fur et à mesure s'il faut rajouter encore des locaux. Par exemple ici, c'est sud-ouest. Ah oui, ici c'est cette boucle-là. Alors cette boucle-là, il y a beaucoup de gens. C'est une boucle immense. On aimerait bien augmenter le nombre de personnes, sauf qu'on n'a que un sens pour l'instant. Donc le plus simple, ça serait de faire un deuxième sens pour doubler tout ça. Et je pense que c'est ce qu'on va commencer par faire, parce que ça va pas demander grand-chose. Et ça peut être fait rapidement, donc. Cependant, il va y avoir des problèmes. Par exemple, ici, on n'a pas la place. On n'a pas la place, madame. Donc il va falloir faire quelque chose, parce qu'il n'y a pas la place. Donc, il va falloir faire ça, et je sais pas si... je sais pas comment on va se débrouiller, parce qu'il faut que la voie ici... et en tunnel, rejoigne aussi. J'ai mis qu'une marchandise, visiblement, oui. Bravo à moi. Non, on va pas mélanger les torchons et les serviettes, on mélange pas les marchandises et les gens. Pour pas avoir de problème. Donc on veut faire ça ensuite. Alors, admettons, j'en fais une voie pour aller à Sacramento. Il faudrait plus aller à gauche et décaler celle-là. Ouais. Lui, on va faire pareil. On veut double voie parce qu'il faut le transcontinental. Et le transcontinental, on veut pas qu'il gêne les autres voies. Donc voilà, comme ça, là, on pourra changer. Ensuite, ici, on a préparé le transcontinental. Il est ici. Donc il ira d'ici. Ah, ici, à la première voie, on faudra décaler. Donc ça, c'est OK. Ensuite, pourquoi il y a dérivation, lui? Ah oui, parce que là, c'est l'autre. Ah oui, d'accord, oui. Oui. Ça, va falloir essayer de dévier, en fait. Va falloir essayer de faire en sorte que cette voie-là ne soit plus sur la voie de marchandises. Ça, faudra essayer de faire ça. Là, pour l'instant, c'est ça une partie de notre problème. Et donc ici, on voudra une pour la boucle, une voie double pour la boucle, une voie double pour le transcontinental, et on veut une voie pour ce Jackie là, parce que lui, il va nous enquiquiner. Est-ce qu'on le mettrait pas à la fin en voie simple? Comme ça, il gêne pas.
Est-ce qu'on veut vraiment qu'il soit au début, enfin, qu'il soit à l'extrême droite? Après, lui, il passe en souterrain, donc ça peut être moins problématique. J'ai pas trop. Bref, on verra. Quand j'arrive, où il vient de s'arrêter, lui? Oui, il s'arrête. C'est terrible. C'est quoi cette engeance? Pourquoi il s'arrête? Il s'arrête parce qu'il y a quelqu'un qui est sur la voie. Bah certes, mais bon, on veut pas, nous. À cause de là? Mais c'est l'autre Jackie qui était trop proche? Il est trop proche d'un autre train? Ah, c'était peut-être le train de marchandises. Bref. Ici, pareil, il va nous falloir une double boucle. Par contre, le défaut, c'est que... Ben, en fait, on va faire ça avec la transcontinentale et après, on veut aller à Wichita. Donc, il va falloir soit que ici, on aille par le dessus... On bifurque pour passer par en haut, comme ça on redescend. Soit qu'on passe par en bas et qu'on fasse ça et on revient ici. Et là, de toute façon, à Wichita, va falloir changer. Donc, admettons qu'on puisse rester dans ce sens-là. Admettons. On fait ça avec des quais de passagers, s'il vous plaît. Voilà, donc ça sera bon. Cependant, faudra changer les voies, parce que là, elles sont sur les voies de ce côté-là, et c'est plutôt du côté de Wichita, donc faudra essayer de changer ça. Là, ici, pareil, faudra se mettre sur la deuxième voie, sur la deuxième doublette. Là, lui, il faudra le mettre sur le dernier. Ici, pareil, faudra se mettre plutôt à droite. Et ici, là, on est bon. Là, on l'avait déjà réglé, celui-là. Donc c'est ok. Parce que si on veut faire notre transcontinentale, pour l'instant, qu'est-ce qui... On s'arrête ici, pour l'instant. Salem, ça va pas plus loin. Parce que, admettons qu'on le fasse, notre transcontinentale, il faudra aller où? Parce qu'il faut le relier Cleveland, c'est ça le problème. Du transcontinental. C'est qu'on veut relier tout le monde. Parce qu'autrement, on va juste à Chattanooga et c'est fait direct. Mais non. Non, on veut relier toutes les villes. Oh, ça va être un merdier pas possible. On verra plus tard. On va s'occuper de cette boucle-là, de l'améliorer. Parce que là, il y a trop de passagers, 400 passagers. On va faire en sorte qu'il y ait un autre sens. Donc, si on veut un autre sens, c'est-à-dire qu'ici, il va falloir faire des transformations. Les transformations, ici, ça va falloir... Non, on peut le laisser. Enfin, il va falloir changer quand même. On va changer ça. Je mets en pause parce qu'après il va dire ah, les voies n'existent plus, mamie c'est de la merde. Ça dégage. Voilà, là on est bon. Ça s'en va aussi. On va se rester ici. Ça me paraît pas mal. Et donc, la première voie, elle ira pour le transcontinental. Et la seconde doublette, elle ira pour ici. Donc, si on relie ici. L'air d'être ok. Et l'autre? L'autre, c'est ok. Donc, on va plutôt faire comme ça. Sauf qu'ici, on ne voudra pas relier. Là, c'est fini. On se rejoint plus. On se rejoint plus avec les gars. Est-ce qu'on peut faire ça, par contre? Alors, histoire d'économiser la fondation d'un nouveau tunnel. Le Eurotunnel, c'est pas ouf. Si on fait ça, oui. Ensuite, on peut lui dire de passer dans la gare. Même s'il s'arrête pas. Juste parce que comme ça sera plus pratique. Vu que ça longe. Voilà. Toi, tu viens ici. Ensuite, on veut une deuxième voie. Petite deuxième. Voilà. Après, on veut longer ici. Alors, il y a problème parce que là, on a été idiot. Bref.
Ça, ça dégage, ça, ça dégage. On s'est pas relié avec le bon côté. Voilà, c'est ce côté-là qu'on va relier. Voilà, nickel. J'espère que ça va passer. Oui, ici. Oui, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Donc voilà, comme ça, on aura notre autre boucle pour l'autre sens. Évidemment, on va faire des petites bifurcations histoire qu'il y soit content. C'est dégueulasse, donc on va pas les faire dans le tunnel. On va les faire ici. Histoire qu'il puisse changer de voie si jamais il y a problème. Ici, ça, on va pouvoir relier ici rapidement. Est-ce qu'on se longerait l'autre voie? Oui, je pense que c'est mieux. Hein. De toute façon, là, le camion va falloir passer en tunnel. Hein. Ça, c'est une non-surprise. 90 km heure. Non, mais on va se respecter au bout d'un... fais ça. On fait ça. Et ensuite, on se rejoint. Ah oui, là, on a des... Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas, ça. Parce que là, c'est plus les bonnes voies. Donc ça, ça dégage. Et ça, c'est celle-là qui va se rejoindre là-bas. Ah mais non, faut pas se rejoindre au premier, il faut se rejoindre au deuxième. Parce qu'il faut laisser le transcontinental. Faut laisser le transcontinental. Donc ouais, bon, on perd beaucoup de vitesse. Hein. On perd beaucoup, beaucoup de vitesse. Toi, tu vas te rejoindre avec l'autre Jackie. Ah non, tu vas même rester à côté, en fait. Tu vas rester à côté parce que, de toute façon, il va falloir tout doubler, hein. Donc tant qu'à faire, autant tout doubler réellement. Voilà, comme ça lui il est content. Et on pourra peut-être faire des trucs pour la voie de marchandises. Lui, ça va dégager. Oui, l'arbre aussi. C'était l'arbre qui me gênait. Pas du tout. Comme ça on pourra faire des trucs. Là on va rejoindre l'autre quai de la gare. Bravo. Là, le camion, ça me va pas. Qu'est-ce que c'est que cette immondice? Dégagez-moi ça. Dégagez-moi ça et on va lui mettre une voie souterraine. Je sais pas comment on va pouvoir faire ça, mais d'accord. Super, si je fais ça, et que je fais ça, ah, pendant une seconde, il a bien voulu. C'est cocasse pendant une seconde. Oui. Pendant une seconde, il a bien voulu faire un tunnel. Ah. Là. Ah, oh, c'est dégueulasse, madame. Ah, oh, c'est tout à fait dégueulasse. Eh ben super, on va donc tricher et faire le tunnel bien plus avant. En fait, on va faire passer là-dessous en tunnel. Voilà, super. Et ici, on va pas aller en ligne droite. On va rester en tunnel en quelques mètres. Puis on revient. Trop incliné. Oh. Voilà. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, madame. Oui, ça, on va le reconstruire un peu plus loin, c'est tout. Hein. Faut pas s'embêter pour un bâtiment qui crée des camions nazes. Hein. D'ailleurs, on ferait pas mieux de le faire après tout ça. Et de le mettre avant, en fait. Sur l'autoroute. Les camions vont naître sur l'autoroute. Meilleure idée. Et donc, ici, maintenant qu'on est en tunnel, on fait un chemin ici. Voilà. Ça, tout le monde est content. Magnifique. Toi, tu vas aller en autoroute jusqu'à là-bas. Magnifique. Pas du tout. Mais en tout cas, c'est viable. Et on aura la place pour le transcontinental si on veut le faire passer par ici. Même si on passera peut-être... Ah non, on passera par ici. Hein.
Par contre, c'est cette route-là qui va peut-être nous gêner. Donc, elle va dégager. Elle va dégager. On peut déjà mettre le transcontinental, en fait. Est-ce qu'on peut lui faire quelque chose pour qu'il aille plus vite, le transcontinental? Il veut pas se snapper? Il veut pas se coller? Se coller serré? On n'est pas obligé. On peut se dire qu'on fait ça, et puis voilà. Puis on se colle après. Comme ça, on avance en même temps sur le transcontinental. C'est normal que je suis en pause, parce que là, j'ai tout bloqué, donc si je suis pas en pause, il va dire « t'as tout bloqué, connard ». En termes techniques, évidemment. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Puis après, ouais, bah, il ira là-bas. Hein. Il ira là-bas comme l'autre. C'est juste que cette gare-là va peut-être... Enfin, ce point de respawn de train va peut-être devoir dégager. Ce que j'espère, c'est que lui n'aura pas besoin de dégager. Pour l'instant, c'est pas clair. Comment on va pouvoir faire pour... là, on est collé. On est collé. Bon, ben ça a l'air d'être ok. Qu'est-ce qu'il nous fait comme immondice, là? Il veut pas monter sur le pont? Il veut pas se coller? Peut-être falloir revoir des trucs dans le coin. Si on veut que ça marche mieux. Parce que la route, là, si je la décale... Ça va pas aller non plus, hein. Ça va dégager aussi. C'est ça, je voulais dégager la route, évidemment. C'est elle qui me gênait. Pas du tout. Si je fais ça... Mais ça change rien, ça, madame. On peut aller à 300 km/h sur ces ponts-là. C'est impressionnant. Comment on va pouvoir faire? Le problème, c'est qu'il faut qu'on bifurque assez, en fait. Si on fait ça... Si on fait ça, et là on va là-bas, comment ça se passe? Est-ce qu'on a de quoi faire des ponts partout? Pour l'instant, c'est oui. Voilà, comme ça on a la quadruple. Ici, il va jamais vouloir. Non. Bon bah, c'est ça déjà. Il nous manque une voie ici, par contre. Comment ça? Fais-le là-dessous. Voilà, magnifique. Non, c'est dégueulasse. Vas-y. Comment ça, collision? Non mais, fumez la moquette, toi. Mets la moquette. Mettre une double. Là. Voilà. Nickel. Là, c'est mieux. Ok. On est d'accord que là, je peux pas transformer, non? Je sais pas si c'est à cause de ce bâtiment. Peut-être à cause de ce bâtiment. Tout à fait à cause de ce bâtiment. Qu'on va remettre. Évidemment. Oui, bus et camion. Voilà. Ça, ils vont gagner un peu de vitesse. D'ailleurs, là, on s'en fout, mais ça serait plus joli d'avoir ça pour la gare. Histoire qu'il y ait plein de gens qui viennent à la gare. Lol, ça change rien. Donc oui, ça c'est bon. Ça c'est bon. On va faire en sorte que les voies se rejoignent si jamais il y a besoin.
Si jamais il y a besoin. Voilà, c'est super. Les bifurcations de l'enfer, ils servent à rien. Normalement, ils serviront à rien. Donc, ensuite, on continue. Est-ce qu'on peut ne pas être maudit? On voudrait bien que ça se colle. Voilà. Parfait. Colle-toi, toi. Bien sûr. Je veux une route en dessous. C'est pas du tout du misclick. Non, mais... Oh, les hauteurs. Avec les triples hauteurs, c'est pas facile, hein. Qu'est-ce que je disais? Ah, là, j'ai le bon clic. Collision avec le pilier d'un pont. Comment ça? Ah oui, ici. Mais c'est-à-dire... On peut pas faire en sorte qu'il n'y a pas de collision avec le pilier d'un pont? Il fut un moment, ça marchait bien, quoi. Après, on peut le mettre en décalé pour pas qu'il y ait de collision avec le pilier d'un pont, mais bon. Dégueulasse, madame. Peut tricher, quoi. Alors, lui, c'est pas clair, la collision. Hein. Bon, disons qu'il va éviter, quoi. C'est dégueulasse, madame. C'est dégueulasse. Oui, on va dans le tunnel, c'est ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on s'embête à tout relier. Comment on s'en foutrait. 220 km/h, magnifique. Comment ça, collusion? Comment ça, il y a collision? On peut pas faire un tunnel plus large que ça? Ah, si. Si. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur pendant une seconde. Ça aurait été dramatique pour nous, ça. Voilà, là, comme ça, on sera relié. Pour notre transcontinental. Transcontinental qui avance, hein. Voilà. Donc le transcontinental est relié aussi à High Point, là, actuellement. Sauf qu'il y a un trou entre Sacramento et Concorde, pour l'instant. On ne peut pas tout avoir, mais il avance. Alors, là, comme dit, Concorde et Sacramento sont pas reliés, pour l'instant. Comment on va faire? Normalement, on est censé prendre le pont, là. Prendre le tunnel. J'avoue que le tunnel, on va peut-être le laisser à l'autre. Hein. Le tunnel, on va peut-être le laisser au voisin. Et nous? Si on faisait un pont maintenant. Parce que maintenant, on a les ponts super qui vont super vite. On a les super ponts. Ah, je peux pas aller plus haut parce que ça monte. Hein, hein. C'est chiant, ça. C'est chiant. Nous, on veut aller de l'autre côté. Ouais, je peux pas. Faudrait terraformer, mais... Aucun intérêt. Parce que l'autre, il va poser problème aussi. Après, si je le fais morceau par morceau, peut-être qu'il va bien vouloir. Admettons que je fasse ça. Parce que là, ce qu'on veut, c'est un pont. Si je fais ça... Non. Doit pas être loin là. Doit pas être loin de la faisabilité d'un pont là. Ouais, mais le pont, il veut le faire après, cet idiot. Oh, il me saoule. Comment on va pouvoir faire? Si je terraforme ici pour baisser le niveau de la terre, peut-être. En fait, on veut un pont. On s'en fout du reste. Donc je peux même baisser le niveau. Si je baisse. Ou à la limite, je baisse assez pour que lui soit un pont. Mais pas baisse tant. Voilà. Hein? Là, il nous fait pas un pont, il nous fait de l'eau. Oula, on doit pas être loin là. Oui, oui. Voilà, on veut un pont. On veut un pont comme ça, les magnifiques ponts.
Alors. Bon. On fait ça. Comme ça, on a notre pont. Ensuite. On passe de l'autre côté. On passe de l'autre côté, mais comme la terre est haute, de l'autre côté, il est pas content. Non, mais adouci, c'est pas ça que je veux. Si. Si. Si, si, ça peut. Ça peut adoucir. Ça planit, en fait. Et donc. Ça reste pas clair. Ça reste pas clair. Est-ce que... Ouais, non, il détruit le pont. Si on soulève... Ah, non. Je veux dire, si on soulève le sol, mais ça va pas marcher du tout. Donc, faut mieux le rabaisser. Faut mieux baisser le niveau. Et maintenant, il veut bien ou pas? Non, il veut pas. Ah, il se moque, hein. En même temps, là, on est collé, donc il est pas content. Et là, il veut plus faire... Oh, il nous saoule. Il nous saoule. Autrement. Et si on baissait le niveau beaucoup ici? On baisse le niveau là. On détruit. Enfin, on s'est besoin de détruire aussi parce que de toute façon ça va dégager. Et on reconstruit. Et c'est le niveau tout du long, on a dit. Bon, il n'y a peut-être pas besoin d'aller si profond. Mais voilà, le but c'est de faire un pont. Attends que je me gourre pas de voix. Oui, c'est celle-là. La deuxième. Voilà, comme ça il le fait en pont. Et tout le monde est content. Parce que si lui il va en pont, on peut aller en dessous. On s'en fout, nous, de celui-là qui soit en pont ou pas. Ensuite, on. Voilà, on nivelle. C'est trop profond là. Voilà, on veut ce niveau là. Comme ça, il y a de la terre. On n'a pas besoin d'eau quand même, hein, pas exagéré. Voilà. Comme ça on est content. C'est magnifique. Les poteaux sont enfoncés sous terre, c'est tout ce qu'on voulait. Et donc maintenant, on peut pas passer en dessous. Moi c'est ça le but, hein, c'est de passer en dessous. Vu qu'on peut pas passer au-dessus, passons en dessous. Ah, cela dit, on peut passer en dessous en tunnel, non? Il veut pas en faire de tunnel. Je le déteste. Non. Est-ce que là, pendant une seconde, il a pas dit c'est ok, non? Mais non, mais là, il veut passer au-dessus, cet idiot. Ah, là? Ah, mais non, là, il veut aller en tunnel en dessous. Après, on s'en fout. On aurait pu faire ça, en fait. Hein. On aurait pu passer en tunnel ici. Hein. Pas pourquoi je me suis embêté. Hein. On passe en tunnel pour se coller à celui-là. Non, mais on va se coller en dessous. On y était tout à l'heure. Le foutage de gueule est incommensurable. Oui, bien sûr, je veux que tu ailles de l'autre côté de la voie. C'est tout à fait ça. Si je lui dis d'aller en dessous. Histoire qu'il comprenne ce que je veux. Non, je comprends pas. Pas trop incliné. Peut-être, mais... Oh, il veut pas se snapper. Tout à l'heure, il voulait bien. Avec l'autre, il voulait bien. Et là, il veut bien ou pas? Est-ce que tu veux bien te zigouer là? Pas clair cette histoire. Pas clair du tout. On va remonter le niveau du sol pour pouvoir faire un tunnel.
Ah, les plans changent. Hein. Les plans changent à chaque fois. C'est magnifique. Oh, regardez-moi cette voix magnifique. On n'a pas vu plus dégueulasse depuis des siècles. C'est beau. L'immondice n'a aucune limite. Bon après, bon, c'est dégueulasse, mais voilà quoi. Voilà, si on fait ça. Voilà, comme ça, c'est ok. Alors, lui. On va les remettre, hein, parce que voilà. Ça fait des tranchées, bravo. On refait ce qu'on avait fait, c'est super. Alors, est-ce que on peut passer en tunnel là-dessous? On peut faire ça en fait, hein. On peut passer en tunnel directement en début. Et ensuite, une fois qu'on est en tunnel, on s'en fout et on va là-bas. Le tout, c'est d'entrer dans le tunnel, après on s'en fout. On fait ça. Ça, on rentre dans le tunnel. Et après, bon, on s'en fout, comme dit. L'important, c'est d'aller là-bas. Alors. Ouais, lui, il va là-bas. Et l'autre transcontinental, il ira là-bas. Et si je fais ça, il va nous faire quoi? Ah, il ressort là où je veux pas, c'est-à-dire avant ce merdier. Voilà, nous, je veux qu'on évite le passage à niveau de merde ici. Il servirait à rien. On se met ici, on veut rentrer à la ligne de gauche, ici. Ouais. On pourrait se mettre ici, à peu près. Alors là, j'ai pris la ligne de gauche ou de droite? De droite, dans le jeu. Donc on s'arrête ici. Et là... la droite, oui, après la droite. Là, on va ici. Voilà. Comme ça, c'est nickel. Moins de zigzag en plus. Est-ce qu'on relierait pas en même temps? Pourquoi pas? Nous, on veut relier comme ça. On aurait du 300 km/h tout du long si on fait ça. C'est magnifique. Cependant, si on fait ça, eh ben, il y aura un problème ici. Il y aura un problème ici. Mais ça veut dire qu'on est bien en ligne droite, là. Sur la ligne droite, on est bien. Bah tiens, il peut même faire ça, lui. Il peut même faire ça. Ici, on veut... En fait, on peut faire passer... Ouais, non, j'allais dire on peut faire passer la route en dessous, mais on pourrait plutôt faire passer la route au-dessus. Ouais, allez, on va dire on s'en fout, on va faire passer la route 1. Collision? Comment ça? C'est faux, ça. De toute façon, il n'y a plus de route, ici. Je sais pas avec quoi il veut faire des collisions, il n'y a pas de route, c'est un bug. Non, mais on dégage la route qui sert à rien. J'ai cliqué sur le mauvais pixel. C'est con, hein, il y avait deux pixels et j'ai choisi le mauvais. C'est ballot, ça. Donc la gauche à gauche, la droite à droite... Dans le jeu. Voilà, nickel. Comment on va faire là? C'est ça. C'est ça qu'on veut. Pas du tout. Oui. Attends, parce que si tu fais ça, tu vas bien vouloir passer au-dessus de ça? Pas du tout. Hein. Magnifique. Ouais, la route le gêne. Dans le caniveau. Dans le passage à niveau. Et si je fais ça? Hein, il veut à tout prix passer par passage à niveau, hein. C'est très impressionnant. Allons sous terre. Allons sous terre, je préférerais aller au-dessus de la terre, mais visiblement, il veut pas. Donc allons sous terre, pour rejoindre là-bas.
let's go. On est peut-être allé un peu loin, mais au moins... Au moins, ça sera ok. Je croyais qu'il y avait un trou dans le sol qui permettait de voir en dessous. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Mais non, il n'y a rien. Donc c'est ok. Donc on a relié encore Sacramento à Concorde. C'est ça, en souterrain ici. Souterrain dégueulasse, hein. Je viens de l'avouer, mais bon. Est-ce qu'on peut rectifier un peu les tours pour que ça soit moins dégueulasse tout ça? Histoire de... 355 000 balles, pas mal. Pas mal la facture. Vas-y. Fais-nous des contours moins dégueulasses, toi. Bon, bah ok. Ok, ok, ok. Donc ça y est, là on est relié donc ici. Mais en double là. Mais là il est pas content, pourquoi? Parce que j'ai pas des... J'ai des trucs qui sont pas encore reliés là. Attends, parce que... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de lien, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Ah oui, parce que ici j'ai pas fait. C'est vrai qu'ici j'ai pas fait. J'ai pas fait le début de la piste. Mais on le fera au retour, on le fera à la fin. Donc là on est ici, là on est arrêté ici donc. Donc ici, notre sortie, on sort en double. On sort en double, donc c'est bon. Par contre c'est ici le problème. Là le problème c'est que ici on n'est plus en double. Et donc ça ne va plus. Faites vos jeux, rien ne va plus. Donc il va falloir en changer ici pour être en voie double. Oula. En double voie. Donc toi tu vas là. Ah, il reste un pixel. Deux pixels même. Quoi cette immondice. Voilà, comme ça, ça c'est mieux. Ensuite, donc tu vas rejoindre ici. Tu peux rejoindre pour qu'on fasse un pont. Bon, il paraît pas satisfait. Si on se rejoint que ici déjà. Ensuite, voilà, la bifurcation, elle se fait vite fait. Par contre, la bifurcation, il n'est pas content. Hein. Il n'a pas l'air content du tout. ...122 km/h, c'est lamentable. Hein. C'est fou qu'il perde autant de vitesse en si peu. Enfin, notre pont, autrement, on dit, on s'en fout. Hein. Parce que là, il va y avoir, la route qui va gêner. Là, il va y avoir ce pont qui va gêner. Ouais, on se dit, on s'en fout, quoi. On se dit, on s'en fout, on n'y va pas. On fait un autre pont. Hein. On fait un autre pont à côté. De toute façon, on va devoir prendre plus large, je pense. On va devoir prendre plus large. Toi tu vas là-bas, tu rejoins ici. Là, ça, on aimerait bien que ce pont, ça soit un pont rapide comme celui-là. Ensuite, il va falloir passer par-dessus l'autre là-bas. Donc comment on va faire? Parce qu'on veut passer... On veut passer là, en gros. On veut venir ici. On va perdre un peu de distance si on fait ça. Oula! Est-ce qu'on peut... Collision avec le pilier d'un pont. Mais comment ça? Ah, c'est la route. Est-ce qu'on peut pas gagner de la vitesse? Parce que là, en fait, d'ici, on va pas là. On va là-bas. Donc, en fait, on s'en fout. On s'en fout, madame. Tout ce qui nous importe, c'est de pas rentrer là-dedans. Parce qu'autrement... Ouais, voilà. Si on le fait en auto, il rentre dedans. Comme par hasard. Ah. Voilà, on est à 280 km/h, c'est quand même ok. Et ensuite, ligne droite. ...277. C'est quand même pas mal. Ensuite. 178. Oui. Super.
Donc là-bas, on va là-bas. Par contre, comment on va faire? On est sur la ligne intérieure pour on va remettre un peu de lecture parce qu'on sent que le jeu il va planter après. D'ailleurs, on va sauvegarder parce qu'on sent que le jeu il va planter après. Vu qu'on est en pause, et il sauvegarde pas. Comment on va faire? Est-ce que on se réserverait pas la voie? Parce que là, l'autre, il va aller de High Point à Pueblo. Depuis l'extérieur. Depuis l'extérieur pour le transcontinental. Donc il irait à l'extérieur, il ferait ça, ça, ça. Non, ça. Donc on veut plutôt qu'il soit à l'extérieur ici. Donc l'autre, on va la changer de voie, ça sera à l'intérieur. La voie qui va au sud, là, ne sert plus à rien. Elle n'a jamais servi d'ailleurs. Donc voilà, un peu s'en aller. Ça ne servait à rien. C'était pour un projet de loi, mais c'est pas passé. Pas du tout. Là, va falloir réviser tout ça parce que la carte ne nous plaît pas. La carte des pays est pas bonne. Par contre, la voie qui était en dessous, elle nous plaisait. Hein. Enfin, elle nous plaisait. Elle était utile, quoi. Elle était utile. Donc, c'est ici. Ça, cette bifurcation, elle va plus servir à rien non plus. Ça sert à rien, madame. La deuxième voie quasiment aussi. Hein. Faudra réviser ce côté de là. Ah, ça dégage. Ça dégage, ça dégage, ça dégage. Donc on a dit que on allait prendre la voie extérieure. D'ailleurs, on adoucirait pas un petit peu le terrain là pour que ça soit plus joli. Voilà. Faisons en sorte que la ville soit plus zen. Alors. Donc on prend cette voie là, on a dit. Et donc cette voie là, elle doit aller là-bas. On a pris la voie de gauche. Et donc si on rejoint direct, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ça nous fait du 300 km/h, ça nous fait du tunnel ici. Et ça peut se rectifier avec des tunnels pour les routes. Ça m'a l'air tout à fait ok. Là, les vitesses max. Que demande le peuple? Ben, de la vitesse max. Voilà ce qu'il demande le peuple. Il veut aller à fond de balle. Il veut aller à fond, le peuple. C'est ça qu'il veut. Il veut des sensations fortes, le peuple. Pas du tout. Donc oui. Ça va devoir dégager, madame. Madame, les caniveaux ici, ça dégage. Voilà. Avec les petites routes de merde. Ça va dégager. Ça, lui, il va dégager parce qu'il est mal placé. Ce caniveau, il va devoir dégager aussi. Mais pas pour les mêmes raisons. Et donc, il faudrait relier tout ça. Alors, le truc, c'est qu'on aimerait bien... On aimerait bien, évidemment, faire la jonction le plus proche possible. Enfin, le souterrain le plus proche possible, pour pas que lui, il gêne. Parce que lui, il va partir par là aussi. Donc là, on se dit que c'est OK. Comme ça, là, on a la place pour passer. Et donc ensuite, on va là, en courbe, s'il te plaît. Bien sûr, c'est une courbe comme ça que je veux. On est en dessous, là? Non. Comment je vais pouvoir faire ça? Oui. Non. Si tu viens là, toi, et toi tu viens là, il y a collusion. Pourtant, ça serait si beau de faire ça. Il veut pas. Ah. Ouais, mais non. Ouais, mais non. Super. Mais c'est dégueulasse, ça. Et là. Là, il veut bien reprendre la surface, mais avec un tunnel dégueulasse. Et si
On reprenait la surface ici. Plus loin. On lui dit de reprendre plus loin. Pour tricher avec lui. Voilà. Comme ça, c'est beau. Évidemment, ça, ça dégage parce que ça sert à rien. Mais ni vu ni connu. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Le petit pixel, on peut pas voilà, faire en sorte que ça roule plus vite. Pareil, le petit pixel là, puis là aussi pour la déco. Des voies modernes. Ok, donc là c'est bon, c'est relié. Par contre ici c'est pas relié, mais je ne sais pas si c'est utile. Ah si, parce que... Si, parce que bah voilà, il y a des petites voitures qui y vont. Donc là, il va falloir relier des trucs. Voilà, ça, ça doit aller là. Ici, ça doit aller là. Et puis là, là, ça vient, quoi. Ah, oui. Mais... Admettons, lui, il dégage. Voilà. Alors, on a plus de contrôle. Et on passerait donc en tunnel. En petit tunnel encore. On pourrait passer en pont pour changer, mais bon. Peut-être pas si haut. Pourquoi il veut pas? Ah, c'est parce que collision avec le pilier d'un pont. Si on se fait ça. Bon, une fois, ça change. Ça change. Ça aussi, ça change. Le changement, c'est que c'est dégueulasse. C'est ça, le gros changement. On va ici. Voilà. Est-ce qu'on veut se rejoindre ici, plutôt? Bien sûr. On peut se rejoindre comme ça. Se rejoindre comme ça. Voilà. Ça, là, ça devient une artère principale de la ville. Ok. Donc oui, évidemment, là, il faudra voir aussi. Qu'est-ce que... Où on en était? Oui, donc là, on a relié à Pueblo. Bon, c'est pas le transcontinental, parce que le transcontinental, il va pas aller du tout par là. Il ne va pas prendre cette voie-là. Par contre, lui, il va aller très vite. 300 km/h quasiment tout du long. Donc, c'est très bien. Et maintenant, il faut que là, à la sortie, on aille à High Point. Il va falloir même que le transcontinental aussi y aille. Donc, il va falloir faire une quadruple voie. Donc là, on veut de la vitesse max. On veut de la vitesse max, un max. C'est le seul truc qui nous importe. C'est la vitesse max et pas de collision, évidemment, mais ça, pas besoin de le dire, on le sait. Je pense qu'on va faire comme ça pour l'instant. Hein. Admettons qu'on fasse ça. On fait ça. Là, on a dit que eux, ils allaient venir aussi. Est-ce qu'on peut rejoindre directement? Pourquoi il veut toujours rejoindre du mauvais côté? Ça me trigger. Bon, il veut pas... Ah, il veut bien se rejoindre ici. Rejoins-toi dès le début, comme ça, ça sera déjà fait. Tant pis pour la baisse de vitesse, de toute façon, tu vas devoir t'arrêter à la gare juste après, donc pas lui m'en fout. Et comme ça, là, on est sur de la quadruple. Sur la quadruplette, pardon. Et comme ça, ici, on va pouvoir aller là-bas. Alors, il y a peut-être lui qui va être entre les deux, parce que ma vie, c'est de la merde. Mais pourquoi pas. Donc notre objectif, c'est de faire ça. Alors, pas celui-là, celui-là. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on serait? Tout à fait ok. Tout à fait bon, même. Bon, là, on passe au-dessus de ça, mais on s'en fout. Là, il n'y a qu'un pont. Moi, je dis, tu dis combien Coco, il paye. Là, par contre, ici, on va pas très vite. Mais, ça en approche de la gare. La plus grande de la distance est... en rapide, donc on va se dire que c'est ok.
Ouais, il y a un petit peu de vitesse à la fin, mais bon. Ça va, ça va. Évidemment, on fait pour les transcontinentaux, transsibériens, sauf qu'il n'y a pas la Sibérie, et on est en Amérique. Donc rien à voir avec la Russie, mais bon, pas tout à voir non plus. Hein. Si on se relie comme ça, oui, ça me paraît ok. Attends. Pas du tout ok. Mais alors pas du tout ok. Là il nous a fait de la merde en boîte. Il est en train de se chevaucher avec l'autre voie. Donc en termes de pas du tout ok, ça se pose là. Ah, je pensais pas qu'il nous casserait les pieds à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille au minimum ici pour pas qu'il nous casse les pieds. De toute façon là il peut ralentir parce que de toute façon à la fin il s'arrête. Spoiler alerte, le train s'arrête à la gare. C'est étonnant, mais il le fait. Bravo. Bravo, bravo. Donc, petite jonction du plaisir. Pas du tout du plaisir, mais petite jonction. Petite jonction histoire de. Voilà. On avance aussi sur le transcontinental avec tout ça. Ça, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la voie existe de nouveau, mais il nous dit qu'il a fumé la moquette. Parce qu'en fait, là, il n'a pas changé les ordres de points d'arrivée. Donc, il n'est pas content. Autre problème, lui, il doit se relier avec lui. Donc là, ça va poser problème. Lui, il va toujours faire chier. Donc on va devoir l'avancer jusqu'à ce qu'il ait assez de distance pour être en souterrain. Voilà. Ça, ça dégage. Là, je suppose que si je avance comme ça, il va faire un truc moyen et qui peut vite être remplacé par du hockey tiers. Elle est où la voie? Elle est ici. Voilà. Comme ça, l'autre, il est relié. Alors, maintenant, passager, port, gare. Oui. Alors, toi, t'es la ligne qui va là-bas. T'as plus de jonction. C'est terrible. Donc, il faut que tu ailles en quai numéro 5. Voilà. Donc voilà, lui, il est refait. On est re-relié à la gare. C'est nickel. D'ailleurs, je vais sauvegarder parce que... Hein, comme dit, je suis en pause, alors le jeu, il est pas content. Il a planté. Allez, donc, ensuite, lui, le passager ouest. Passager du sud-ouest. Donc, lui, il faut qu'il aille en gare numéro... En quai numéro 4. Voilà, quai numéro 4. Comme ça, il va pouvoir aller ici. Ensuite, lui, il doit aller en quai numéro 4 également. Voilà. Ensuite, ici, en quai numéro 6, tout à fait. Et pourquoi il n'est pas content ? Pourquoi là il y va déjà pas? Oui. Bon. Quai numéro 4. Qui va ici, voie de droite. Ensuite il va là-bas. Là il s'arrête pas, on s'en fout. Là il va là, oui. Là il va là, il va là. Quai numéro 4, oui. Ensuite ici. Quai numéro 6, tout à fait. Oui. Ensuite, il va là-bas. Quai numéro 4. Le plus à l'extrémité, le plus à droite. Et roule à droite, donc c'est ok. Cependant, il a un petit détail, c'est que cet idiot, il veut toujours rejoindre nos points de cheminement.
qu'on a mis un peu partout. Donc, il va falloir dégager les points de cheminement. C'est magnifique, on peut pas s'approcher pour bien les supprimer. C'est magique. Parce que là, il dit, je dois aller à ces points de cheminement, sauf que, bah, ils sont pas sur la même rail, les gars. Hein. Donc, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, les gars. Cheminement. Ça dégage. Ça dégage. C'est pour empêcher qu'ils se collisionnent avec l'autre, mais maintenant, on s'en fout. Vu qu'il n'est plus sur la même voie. Il n'y en a pas d'autres. Bon. Si, il en reste un. Il en reste un ici. Oula. Oula. Arrête avec les zooms. Voilà. Alors. Maintenant, c'est bon. Maintenant, il est fait, lui. Alors. Est-ce qu'il est idiot ? Pour l'instant, il n'a pas l'air d'être idiot. Cependant, nous n'avons pas mis de signalisation. Il n'y a aucune signalétique là-dessus. Donc il va dire, au bout d'un moment, il va dire « Ma vie, c'est de la merde, il y a un autre train sur la voie. Je m'arrête et j'attends que le train fasse ce qu'il veut. » Il finit, mais ça a l'air d'être ok, il est tout le temps à droite, donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Aucune voie électrifiée. Ah oui, mais c'est parce qu'ils sont plus du tout sur les bonnes gares. Ils sont plus du tout sur les bonnes rails, eux. Comment je fais, d'ailleurs ? Salut, Saito. Est-ce que faut pas que je les supprime, tout simplement ? Je pense que ça sera le plus simple. Hein. On les supprime, et on les recrée sur la voie. Comment as-tu ? On peut en mettre une ici, un bâtiment. On va bien me mettre comme ça, pour qu'il puisse rejoindre dans les deux sens. Ouais, c'est nickel. Ton entorse, ça s'arrange ? Ou pas ? Voilà, dans les deux sens. Les Press Gregory, ah bah nickel. Nickel, nickel, c'est bien. Ça va vite, c'est bien. Nickel, nickel. Alors, on va mettre nos 4 petits trains dessus. Et on pourra relancer. Non, mais 4 pas en. Bref. 4 mais pas en une fois. Oh. Passager sud-ouest. Voilà. Donc, comme ça, cette voie-là, elle a récupéré un train. Sauf qu'il lui en faut 4. Donc voilà, il aura 4 trains. Bravo. Ouais, nickel. Donc, on va faire de la signalétique. Signalisation. Construisez 50 km de pont. On aime les ponts. Donc on va lui mettre de la signalisation. Sens unique. Sens unique. Petite signalisation. Pas si c'est. Ouais, ça va pas être nécessaire de mettre sens unique à chaque fois. Hein. C'est surtout pour qu'il se rentre pas dedans. Je veux dire, je l'ai mis sur la mauvaise voie, mais. Et qu'il fasse des pauses si jamais il y a un train devant. Et qu'il fasse pas des pauses toutes les deux secondes, nécessairement. Voilà. Pourquoi il est dans l'autre sens, lui ? Oui. Vas-y. On continue. Notre voie est gigantesque. C'est beau. On peut même les mettre sur l'autre voie, en fait. On peut gagner du temps en faisant ça. En les mettant sur l'autre voie. Pour le transcontinental. Qui avance, hein. Ça avance. Ça continue, on va pouvoir mettre un transcontinental qui ira pas jusqu'au bout. Mais qui fera quelques gares. Vous voyez, là, il s'arrête parce qu'il dit « Ah, mais il y a quelqu'un de l'autre côté. » J'adore mettre tout dans le mauvais sens. C'est magnifique. Vas-y. Voilà. Allez. Une autoroute juste pour le train, c'est beau. J'ai pas fait gaffe.
ou une autoroute juste pour le train, je sais plus. Mais là, j'ai fait une autoroute ici en pont pour passer au-dessus du train. C'est magnifique, il n'y a personne qui la prend, mais c'est beau. Il manque cette parcelle-là à faire. Et ouais. Et là, il y a plein de voies ferrées, c'est magnifique. On adore. On adore la rédac. Tiens, il y a de l'eau qui est buggée ici. Ça, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut corriger ça, non? Non. Le bug restera. Ben, bravo. Ça avait inondé la gare. Enfin, ça avait inondé la trame. Enfin, la voie ferrée, pardon. C'est magnifique. Pas du tout. Alors. Allez-y, vous. Est-ce que celui-là... Ah oui, celui-là a le même problème, en fait. D'ailleurs, on va pas faire ça comme ça, on va faire comme ça pour lui. Ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qui... What is he branding? Il y avait encore un passage à niveau alors qu'il y a plus de... Il y a plus rien là-dessus. Ça sert à rien, madame. Donc oui, forcément, là, les trains, pour l'instant, ils ont des problèmes parce que bah, tout n'est pas réglé. Ils sont trop proches les uns des autres. Donc voilà, mais bon... Plus tard, ça sera nickel. Là, on est en tunnel pour l'infini. Ouf. C'est le terme. Nickel. Bah, on a fini. Voilà. Nous voilà arrivés. Nous voilà chez la sous-préfète. Alors. Donc ça, c'est notre voie de passager sud-ouest. Numéro 1. Et donc, pourquoi on a fait ça? Eh ben, c'est tout simple. C'est pour pouvoir faire la passager sud-ouest numéro 2. Qui sera la même, mais dans le sens opposé. Et donc, tout ça, c'était pour ça. Pour essayer de fluidifier un peu les quantités d'habitants là-bas, parce qu'il y a trop de passagers sur les autres. Donc là, on va de Pueblo à Hyde Point. Donc là, on va aller de Pueblo. Si je clique pas, ça va pas bien marcher. De Pueblo à Concorde, puis à Sacramento, et enfin à Hyde Point. Et voilà. Alors, maintenant, c'est la bonne voie. C'est le bon terminal, oui. Ensuite, clique où il faut, ça sera mieux. Concorde, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Oui. Et bien sur la 5, c'est nickel. Ensuite, Sacramento aussi. Oui, sur la 3. Voilà. Et Hyde Point, non. Hyde Point, on ne sait pas pourquoi, il veut pas. Et il veut pas le mettre en automatique, il fallait le mettre sur la 3. Hein? Ah, voilà. Voilà qui est mieux. Comme ça, là, il n'y a aucune collision. Et donc, ils vont pouvoir se croiser. Pouvoir se croiser, les idiots. Et donc, on va rajouter des trains là-dessus. Je pense qu'on va en mettre 2 pour l'instant. J'aurais pu cliquer sur 2 en dessous, ça aurait été plus simple, mais je suis idiot. Mettons-en 2 sur passager sud-ouest 2. Ça fera déjà ça. Il y a beaucoup d'habitants, beaucoup de passagers sur les villes ouest. Par contre, sur Pueblo, il n'y a personne. Hein. Personne ne veut y aller à Pueblo. Donc comme ça va répartir un petit peu les gens au fur et à mesure. Et ils ne seront plus sur la même gare. Parce que là, à chaque fois, c'est plein, madame. Hein. Regardez-moi ça. Tous ces passagers. Voilà, le train part, il est plein, mais il y a toujours des gens qui attendent. Imaginez ça. Vous êtes là à la gare, vous voulez prendre le train, il n'y a plus de place. Vous devez attendre 2 heures pour le prochain train. Ah. Voilà qui contenterait tout le monde, je suppose. Terrible. Voilà, il y a des gens qui commencent à transvaser pour aller sur l'autre côté. Donc ça va répartir un peu les masses. Mais je pense qu'il faudra limite encore rajouter des trains ou augmenter le nombre de wagons, quoi.
Il nous pose problème, hein, le passager 1, là. Hein. Il nous rapporte des millions, certes, mais... Mais c'est un problème. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on ferait pas un bout de transcontinental? Peut-être pas. Cela dit, notre transcontinental, il pourrait déjà faire Salem, Concorde... Salem, Concorde, Sacramento, High Point et Pueblo. Il pourrait déjà faire ça, notre transcontinental. Donc on pourrait déjà le mettre en route. Il ne ferait pas tout, mais il ferait des villes et il ferait, ferait des demi-tours, et puis c'est tout. Je sais pas s'il faut un E ou pas. C'est un transcontinental. Et c'est une voie. C'est une ligne transcontinentale. Pas trop. Donc oui, il partirait de Salem. Transcontinental de Salem à Concorde. Puis Sacramento. Puis High Point. Puis Pueblo. Et ensuite, tu reviens à High Point. Sacramento, Concorde, et j'ai pas besoin de remettre Salem parce que c'est bon. Ben voilà. Alors évidemment il va se rentrer dedans, mais pour l'instant on s'en fout parce que pour l'instant il y en aura qu'un. C'est juste pour mettre en route la voie, histoire qu'il commence à faire quelque chose, parce que là on peut faire quelque chose quand même. Hein. Tout est bon, tout est bon dans le cochon, du tout. Cependant, il va nous falloir soit ça. On peut utiliser celle-là. On peut utiliser cette voie ferrée. Ah oui, mais... Ouais, pour l'instant, je sais pas où est-ce que je vais partir avec lui. Mais on va se dire que c'est OK. On va se dire qu'au pire, tu te rejoins ici. Même si c'est provisoire. C'est pas grave. Pareil pour toi. Rejoignez-vous ici. Et comme ça, le train pourra partir d'ici. Alors, sur le transcontinental. Voilà. Hein ? Il est pas... Il peut y aller, là ? Did you smoke mauvais shit? Pourquoi j'ai ligne 1? Ah, parce que le transcontinental, en fait, j'ai fait une autre ligne. C'est ligne 1, mon transcontinental, en fait. C'est pas du tout la ligne qui s'appelle transcontinental. C'est la ligne 1. Idiot bête. Donc voilà, c'est bon. Voilà notre transcontinental. Il n'est pas encore sur sa voie. Le voilà. Le premier train du transcontinental. C'est beau. Il part à vide, évidemment. Mais il traversera le monde entier. Pour l'instant, il traverse que le sud-ouest. C'est déjà bien. Il va déjà traverser 1, 2, 3, 4, 5 villes. Une de plus que celui-là. On va se dire que c'est OK. Ça serait parti, là. Il y a déjà du monde pour le transcontinental parce qu'ils veulent se transférer à d'autres endroits. C'est surprenant. Bref. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, ce que je voulais faire il y a 1000 ans, c'était revoir notre réseau entre Wichita Falls et la Nouvelle-Orléans. On n'est pas satisfait, hein. On n'est pas pleinement satisfait de cette voie. Parce que le problème, c'est que voie de passagers est confondue avec voie de marchandises. Et donc, c'est le bordel. Littéralement. De plus, vu qu'on va faire notre transcontinental, à Wichita, on a fait un terminus. Sauf qu'un terminus, pour un transcontinental, il n'y a rien de pire. Donc, on va devoir faire un demi-tour de l'enfer. On veut pas. Donc... Il va falloir faire venir le train. Donc Pueblo, on partira comme ça.
Tu effaces tout et tu refais, non? Oublier, c'est une connerie. En fait, si j'efface tout, je vais effacer ma voix la plus rentable du jeu, qui est celle-là. Qui est celle-là. Celle de train carburant. C'est... Normalement, c'est ma plus rentable. Ah bah, mon train de passager est plus rentable maintenant. Mais Wichita carburant, c'est mon plus rentable. Donc ça veut dire que je supprime ma voix la plus rentable. J'avoue que l'idée m'intéresse pas beaucoup. Et l'idée me plaît pas. Ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va supprimer la voie de passager complètement. Et ça, on va la refaire. On va refaire les gares de passager. Et probablement qu'on va faire pas cette voie-là. On va la faire autre part. Enfin, on va la faire coller peut-être, mais on va pas l'utiliser, la voie qui est actuellement ici, pour les passagers. Parce que de toute façon, cette voie de passager... elle est un petit peu rentable, mais c'est pas ouf quand même. Hein. Je pense qu'il faut... il faut lui dire adieu. Il faut lui dire adieu, faut supprimer ça, faut supprimer ça. Et faut refaire. Faut refaire pour l'avenir. Pour pouvoir aller à Sunnyvale, par exemple. Mais la question, c'est comment on fait pour faire un truc bien. J'aimerais bien faire... moi, j'aime bien les boucles. J'aimerais bien faire une boucle entre Wichita Falls, Nouvelle-Orléans et Sunnyvale. Donc faire un truc comme ça. J'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien faire ça. Mais faut pas oublier que la rail transcontinentale qui va arriver de Pueblo pour aller à Wichita. Et ensuite, il ira à Nouvelle-Orléans. Puis Sunnyvale. Donc le mieux, ça sera que Sunnyvale arrive par l'ouest. Pour que tout le monde reparte à la Nouvelle-Orléans. Tu mets la gare de Nouvelle-Orléans à droite de la ville et tu feras une boucle transcontinentale. Plus de problème. Si je le mets à droite de la ville... Moi, je pensais la mettre en dessous. Je pensais la mettre sous la ville. À droite de la ville, mais à droite de la ville, c'est ok aussi. À monter au nord. Bah oui, mais non. Parce que... Ah, ou tu veux que mon transcontinental il fasse Pueblo, Wichita Falls, Sunnyvale, puis Nouvelle-Orléans, puis ensuite on repart à Temp. Tu veux le faire comme ça, le transcontinental? Parce que moi je comptais faire plutôt Pueblo, Wichita Falls, Nouvelle-Orléans, Sunnyvale, puis Temp. Ah. Ça voudrait dire que je fais ça, 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 ça. Donc ouais, il faut une gare ici. Et si je mets la gare là, pour ma boucle avec l'autre, faut que je passe comme ça. Faut que je passe comme ça. Non, passer comme ça plutôt. Avec ma boucle, je passe comme ça. Là, j'ai ma gare qui sera comme ça. Donc, j'arrive par la gauche. Je repars à droite. Sur ce niveau. Et ce niveau, il faut une gare par ici. Parce qu'il faut que je repars à Temp. Ouais, mais ça veut dire que mon transcontinental... Attends. Parce qu'on a dit que transcontinental, il ferait Wichita Falls. Ah oui, ce niveau. Donc mon transcontinental, il te suivrait. Donc en fait, tout le monde va à la Nouvelle-Orléans. Ce niveau, tu peux aussi le mettre à droite. Ouais, mais on s'en fout. Ça nous sert à rien, il n'y a aucune ville à droite. Et vu qu'on n'irait pas à Temp, mais à Nouvelle-Orléans, même pour le transcontinental, ça n'a pas trop d'intérêt. Autant se rapprocher de notre prochain objectif. Et donc mettre une gare dans ce sens-là. On arrive par le sud, avec les deux voies. Et les deux voies repartent au nord, à la Nouvelle-Orléans. Le transcontinental et la boucle. Je vois sur le long terme, c'est pour ça. Ah, sur le long terme, même sur le long terme, tu voudrais relier Temp à ça?
directement Sony Veldtemp. Je voudrais faire une voix supplémentaire qui fait ça. C'est possible, hein. Mais même si on est à gauche, ça me dérangerait pas beaucoup, hein. Ça change pas énormément, il n'y a pas beaucoup de choses autour de ce niveau. Il n'y a qu'une voix, c'est tout. Il n'y a que celle-là. Temp et les autres villes au nord pour plus de facilité. En fait, c'est pour ça que moi, je voulais que mon transcontinental, il parte à ce niveau. Plutôt que Nouvelle-Orléans, tu vois. Comme ça, je pars à droite et c'est plus simple. Tu vois, après, mon transcontinental, il fait ce niveau, Temp, Murrieta... Moreno, puis Palm Bay, et enfin on se relie à Airy, et puis le transcontinental il est fini quoi. Pour moi c'était le plus simple, parce que si je vais m'emmerder à la Nouvelle-Orléans comme point pour remonter à Temp, il y a plus de voies quoi. Je trouve. Un petit peu plus de gênance. Enfin cela dit, il n'y a pas énormément. Je sais pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gares que j'ai actuellement, elles n'iront pas du tout pour le train de passagers. Ça, c'est sûr et certain, c'est que ça irait pas. Et ça sert à rien de mettre deux gares de passagers. Ça, c'est sûr. Jetons un coup d'œil vite fait au transcontinental et tout pendant que je réfléchis. Ouais, train de passagers 2, ils sont pas contents. Oula! Pourquoi il est gros le bonhomme? Pourquoi il est immense? Il y a tant de passagers que ça? Ah oui, 260. Oula! Oula! Transcontinental. Tout le monde veut prendre le transcontinental ici. Concorde Sud, transcontinental, tout le monde veut y aller. C'est la dinguerie. Tout le monde est ici pour le transcontinental. Il n'y a même plus de place sur le quai, tellement il y a de monde. Mais ils sont fous. Ils sont débiles. Ils préfèrent prendre le transcontinental que le train qui fait la boucle, en fait. Pourtant, il faut le même trajet. Hein. Peut-être pas le même prix, je sais pas. Alors qu'il n'y a que un train, en plus, pour le transcontinental. Donc c'est la galère. C'est la grosse galère. On va peut-être lui rajouter des wagons. Si on veut qu'il galère pas trop. C'est quoi ça, le bombardier bi-level? Ah d'accord, 140 km/h, c'est de la merde. Mais ça transporte beaucoup de passagers. Et il pèse pas beaucoup plus lourd, hein, donc c'est ça l'intérêt. Ah oui, c'est à 12 étages. Si on se met ça, pour le transcontinental, il va aller un peu moins... Il aura un peu moins d'accélération, mais ça sera ok. Alors, retournons à nos moutons. Comment est-ce qu'on va se mettre? Je pense que déjà, on va retirer notre voie ici. Tant pis. Tant pis pour la rentabilité et tout. Les gens vont gueuler. Mais c'est pas grave. Comme ça, on va retirer ça. Et on va commencer à y voir un peu plus clair déjà. Comme ça, il n'y a plus besoin. Plus besoin, plus besoin, plus besoin. Voilà. Ça dégage. Ensuite. Ça dégage aussi. Passagers, il n'y a plus besoin. Je vais te montrer 100 passagers à bord d'un train. Ah oui, on l'avait pas fait ça. On a à chaque fois des trains de passagers qui ont une capacité de moins de 100. Bah, on pouvait pas. Reste un pixel. Donc, ok. Donc, ok, ok, ok. Le transcontinental de Pueblo, il va arriver depuis le nord. Après, on peut faire Pueblo, Nouvelle-Orléans avec le transcontinental. Pueblo, Nouvelle-Orléans, et après Wichita. Et après, ce niveau. Et après, on remonte. Transcontinental, il n'est pas obligé d'aller à Wichita directement. Parce que de toute façon, il arrive par le nord. Et quoi qu'il arrive, il va devoir faire une boucle dans l'enfer. Il va devoir faire ça quoi qu'il arrive. Enfin, ou ça si on veut. Ou ça. Je
Je sais pas trop comment on va pouvoir goupiller ça. En tout cas, ici, il va nous falloir beaucoup de... Beaucoup de... Yeah. Enfin, beaucoup de quais. Comment on se mettrait? Parce que pareil, ça peut dégager. Ça n'a pas de... Ça va gêner plus qu'autre chose pour la construction. Où est-ce qu'on se met? Déjà à grande vitesse, ça c'est sûr. Parce que Nouvelle-Orléans, on peut se mettre au sud. Pour faire la boucle. Et le transcontinental. S'il passe à Wichita et il fait ce niveau, il sera quasiment dans, il fera le même chemin que la boucle. En vérité. Moi, je le mettrais bien au sud. Je le mettrais bien au sud. Et comme ça, il fait le même chemin que la boucle. Alors, il va falloir détruire des choses, hein, ça c'est sûr, mais bon. On a l'habitude. Attends, admettons qu'on fasse ça et ça. Que là, on rajoute une voie. On peut pas faire un truc pas dégueulasse? Non, faut qu'on se mette avant. Faut qu'on fasse la voie avant, parce que autrement, ça va pas aller. Fais ça, et toi, fais ça. Voilà. On fait ça. Et les gardes sous terre quoi? Les gardes sous terre, le jeu connaît pas. Ah, les gardes. Ah. Ben, j'ai pas encore. Je sais pas s'il y a des métros. Et comme il y a les trams et tout, je me suis dit, il y aurait peut-être les métros, mais pour l'instant, c'est non. Voilà. Oh, l'aéroport de passagers. C'est vrai que là, on se fait chier avec des trains, mais on pourrait faire juste un aéroport, puis voilà. Hein. Les gens, ils prennent l'avion, et puis voilà, hein. Comme dans la vraie vie, tout le monde s'en fout du train. Mais nous, on est là pour des trains. Bien sûr. Les trains, c'est la vie, exactement, dans le jeu. Voilà. Comme ça, là, c'est relié. Évidemment, il va falloir une gare de bus. Où est-ce qu'on se mettrait? C'est vrai que par ici, il n'y en a pas de gare de bus. C'est même terrible. Toi, tu vas faire ça. Et toi, tu vas te relier avec cette voie-là qu'on va améliorer en face. Tram. Bus ou tram? Bah pour l'instant on est sur des bus. On pourra améliorer plus tard avec du tram. Mais pour l'instant on est sur du bus. On est sur du bus. Nouvelle-Orléans, on modifie la ligne. On retire la liaison. Bah. C'est qui lui? Il est pas sur la ligne? Ah, mais je suis sur le gare. Je suis sur la gare, moi. On n'avait pas, mis le même train. Hein, on n'avait pas mis la même voie, pardon. C'était bus-gare. Ah bah, bus-gare, hein, ça dégage. Il avait fait une ligne rien que pour la gare. Mais c'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi, du Jean-Paul Good. Pardonnez tout. Vous avez RF. C'est ok. Le 5, après le 5, tu vas aller ici. On va même te rajouter un autre arrêt. On pourra modifier après si on veut mettre des... je vais y arriver. Si on veut mettre des trams, on pourra modifier quand même. Voilà. Comme ça, c'est ok.
Oui. Ça, ça va probablement devoir dégager, mais bon, on verra plus tard. Donc ça, on veut aller ici, et on veut aller là-bas. Et on veut aller... Ah non, que là-bas, en fait. Que les deux que j'ai dit, c'est tout. Parce que le transcontinental, on va le faire passer ici, aussi. Comme ça, ça sera plus simple. Donc ce qu'il faut qu'on réfléchisse, c'est que le transcontinental, il va devoir faire ça. Et il va devoir partir par là-bas. Donc ça veut dire que notre gare, on doit la mettre dans ce sens-là. Parce que l'autre, il va devoir partir par là. Donc, on peut le mettre ici. On peut la mettre ici, la gare. Plutôt que cette voie nulle, là, qui sert à rien. On met une gare de passagers. On met une gare comme ça. Si on la met en diagonale. On peut aller de là-haut. C'est ok. Et puis là, et la voie du haut qui ira en haut. Et la voie du bas qui ira en bas. Ça me semble ok. La question, c'est juste, est-ce qu'on va pouvoir atteindre la... Est-ce qu'on va pouvoir passer au-dessus de ça? Ou en dessous? On peut même passer au-dessus de la gare. Ah ça, j'avais pas pensé à passer au-dessus des gares. Mais bon, ça pose problème après. Pose problème. La route, non. Mais ça me paraît ok, ça. Ça me paraît ok. Et ici, on mettra des trams. Parce qu'on n'a rien fait ici, donc ça serait bien de mettre des trucs. Non, cette voie, elle est dégueulasse, quand même. On va se respecter. Voilà. Super. Super, les gars. Voilà. On va déplacer ça aussi. Comme ça, c'est ok. Bon, l'idéal, faudrait modifier aussi le centre de la ville, mais bon. Allez, on va le faire. Voilà. Ça, le centre de la ville, ça va très vite. Bravo. Oui, ici, il nous faudra une gare de bus. On peut la mettre ici, hein. On peut la mettre ici. D'accord. C'est de la merde, ça. Ça n'a aucun intérêt. Ah, c'est pour faire plein de lignes, hein. Longueur, 30 mètres. Mettons-nous là. On fera des trams ici, directement. Bref. Ah, celui qui me gratte. Oui, donc là c'est relié. Nickel. Donc on voudra aller à la Nouvelle-Orléans, à ici. Et ensuite d'ici à Wichita. Et d'ici à Tempe. Bah, Tempe, on s'en occupera plus tard. On va s'occuper d'ailleurs de Wichita. Wichita, donc il faudrait qu'on la voie. Alors, soit on fait que la Nouvelle-Orléans... Non, on va pas faire la Nouvelle-Orléans qui va arriver de la droite, parce que après ça va foutre la merde pour la voie de Tempe par rapport au transcontinental qui va faire ça. Donc on préfère que ça fasse ça, et puis c'est tout. Plutôt que ça fasse ça. Ce qui revient au même niveau distance, quasiment. C'est juste qu'on va peut-être passer sous terre. Comme ça, on passera sous la ville avec les trains pour aller à Wichita. On pourra même passer en souterrain tout du long pour rejoindre Wichita. Et donc ensuite, on arrive de Wichita, enfin on arrive de ce niveau par la droite. Et on veut remonter à la Nouvelle-Orléans et on veut que Pueblo arrive aussi du nord. Non, pas du tout. Pueblo, on veut qu'il arrive pour repartir à la Nouvelle-Orléans. Donc on veut qu'il arrive à l'entrée sud de la gare, pour suivre la boucle. Enfin, sud. Comprenez, quoi. Donc l'idéal, ça serait de faire un truc comme ça. Pour que Pueblo arrive de gauche, pour repartir à droite.
on pourrait aller sous la terre. On peut aller sous la terre. Est-ce que on se mettrait pas... Est-ce qu'on se mettrait pas collé, enfin collé, presque, à celle-là, mais en décalé. Et on se dit que de toute façon, les rails, ils vont arriver sous terre. Donc on leur laisse assez de distance pour qu'ils puissent respirer. Et ils se barrent par là. Et après, on fait la gare de bus. On se laisse un peu de marge pour si jamais on veut agrandir l'autre gare. Et puis voilà. Comme ça, les deux Pueblo, ils arrivent d'ici, ils arrivent là, en souterrain, sous la ville. Et après, ils partent comme ça. Ils partent comme ça à la Nouvelle-Orléans. Et puis l'autre, il arrive du sud, pareil, sous terre. Admettons. Admettons que ça marche. Attends. Construction impossible ici. Hein ? Très intéressant. Parce que va falloir améliorer les voies de chemin de fer. Enfin, pas les voies de chemin de fer, les bus. Là, ce bus-là, il va plus servir à grand-chose, d'ailleurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remplacer par un arrêt de bus standard. Il sera ici. Voilà. Pour l'instant. Le problème, c'est que c'est très excentré, ça. Hein. Ça, c'est le défaut de notre plan. C'est que, du coup, la gare n'est plus dans la ville, celle-là. Hein. Là, elle est vraiment en dehors de la ville. On va pouvoir améliorer ça. Est-ce qu'on va faire ça? Voilà, on dépense sans compter. Il y aura des voies de tarés dans la ville. Voilà. Des grosses voies. Pour fluidifier la circulation. Donc, le problème, c'est qu'ici, là, on arrive et voie de merde. Ça nous déplaît. Pareil ici. Les véhicules font obstacle. Ah bon? Ah, je peux pas détruire parce qu'il y a des véhicules. Oui, c'est de la merde. On fait ça. Là, ça dégage. Et on fait ça. Voilà. Comme ça, on est bien. Là, lol. Et qu'est-ce que... D'accord, mais c'est dégueulasse. Vas-y, fais ça. Pourquoi là, il... Mais là, il a plus de contact, lui. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il a contact à pied, mais il va pas aller à pied. Des véhicules font obstacle. Non, mais ça, par contre, c'est... C'est difficilement supportable, ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Oui, collusion, oui. Faisons ça. Comment je vais pouvoir me démerder? Si je fais ça. Et si je fais ça. C'est dégueulasse. Et là, j'ai pas la distance pour relier. Même en petit chemin de merde. Pas te relier autre part, toi. Juste pour dérégler le bug et puis après, hein, après voilà quoi. Si on se fait une sortie par là, voilà, nickel. Là on peut le dégager donc. Voilà, là on te dégage et on te repositionne en face. Voilà, modulaire. Let's go.
Voilà, juste en face. Wichita Garville, nickel. Par contre, il va falloir l'améliorer, lui, parce qu'il avait, il avait des stocks de marchandises en plus. Lui. Voilà. Comme ça, c'est ok. Il nous manque une gare de bus. Il nous manque une gare de bus. Ou une gare de tram, en l'occurrence. On peut le mettre ici. On peut mettre jusqu'où? Parce que, est-ce qu'on peut pas faire une boucle? Alors, le problème de faire une boucle ici, c'est que bah, ça va peut-être poser problème pour l'avenir. Parce que dans l'avenir, on voudrait. Les rails, quoi. Si on fait ça. Ah, magnifique. Et ça. Et ensuite, ligne droite. Comme ça, on pourra faire une boucle avec le tram. Non, on pourra faire en sorte que le tram ne prenne pas la même voie que les camions. Ce sera plutôt ça, le truc intéressant. Et puis, bon, on se met ici, c'est très bien. Voilà. Et le Wichita Bus, donc on peut rajouter avant... Non, après la 7, elle est ici. Ça, ça fait un tout petit détour. Mais il sera là. Il sera pour la gare. Lui, il est relié à la gare. Oui. Ok, ok, ok. Alors. Donc on a dit que Pueblo, ici, ça allait faire ça, ça, puis ça en souterrain. Et que là, ça allait faire ça en souterrain. Et là, ça, pour aller ici. Est-ce que ici on a mis notre gare? Oui, on a mis notre gare. Bon bah c'est ok. C'est ok tout ça. Donc, la priorité, c'est d'aller sous terre. D'aller sous terre. Bah. Ou en tunnel, probablement beaucoup en tunnel. Après tout, c'est autre chose. Il rentre où dans le tunnel? Ici. Ah, là, on peut le faire rentrer ici en tunnel. Est-ce qu'on peut pas le faire rentrer plus haut? Plus tôt, pardon. Pas l'air clair. Hein. Bah tiens, il a compris, il a détruit la maison qui me gênait. Bah, le problème, c'est que l'autre côté, ils vont jamais y arriver. En tunnel. Peut-être que j'y aille en pont de l'autre côté. Et quand je vois la distance nécessaire pour rejoindre le tunnel. Vu que de l'autre côté, ça va jamais passer, madame. On va faire un peu large pour qu'ils prennent de la vitesse. Et puis voilà. Comme ça, tunnel, tunnel. Par contre, l'autre côté, comme dit, hein, on n'y arrivera jamais. Hein. Est-ce qu'on y arrivera plus tôt en pont? Pas l'air d'être clair non plus. Hein. Ce que je disais, hein, ça allait nous poser problème pour la suite. J'ai encore sous-estimé la longueur nécessaire pour faire un pont. Hein. On peut partir à gauche pour aller faire le pont à droite, mais bon. Après, là, on peut se dire que cette voie-là, elle sera pas beaucoup utilisée. Et donc, c'est ok. Mais là, même là, il nous dit que la pente est trop inclinée, il est pas content. Alors faire des modifications. Si on faisait le train avant, comme ça on sera plus emmerdé, embêté. Et, tu vois, il me faut cette distance-là, il me faut quasiment toute la distance jusqu'à la route. C'est terrible. Si je tourne plus. Non, il veut pas. Hein. Je pense qu'il faut que je fasse ça. Et que ensuite je planifie mes routes. Si je vais ici, et là je passe en pont.
Je passe en pont, on lutte au-dessus de ça. Parce que c'est pas parce qu'on est en ville qu'on n'a pas le droit de faire des ponts. Ça existe, les ponts en ville. C'est pas un problème. C'est chiant, mais c'est pas un problème. Je sais pas si on peut pas être plus longtemps au ras du sol, cela dit. Voilà, c'est déjà un peu mieux. On peut faire ça. On peut faire ça. Et ensuite, on remet notre gare de tram dans le coin. On peut la mettre de l'autre côté du pont, mais je ne vais pas la porter. Obligé de mettre de ce côté-là du pont. Bah, c'est ok. Il est ok. Il a été relié. Bravo. On s'était mis en pause. Voilà. Comme ça, on a nos bifurcations. On a deux chemins. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à relier ça à ce niveau. Pareil, à ce niveau, il va falloir passer en tunnel pour passer sous la ville. Et là, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire là. Là, je suis proche. Il veut bien un pont ? Oui, il veut bien un pont. Alors lui, il va... En fait, ils vont tous les deux aller du même côté, en fait. Donc il faut juste que je vise pour pas toucher lui. Bah, ils ok comme ça. Là, on touche pas. Est-ce qu'on est obligé de faire deux ponts... Enfin, de faire le même pont. Non, on n'est pas obligé. On va faire deux ponts différents au début et après on va les faire se rejoindre. Là on veut aller ici mais en fait après on s'en fout. On va rejoindre là-bas. Parce que c'est juste là. Après, une fois qu'on est arrivé ici, on va peut-être même y aller en direct à la Nouvelle-Orléans. Par contre, toi, est-ce que tu peux te rejoindre à l'autre pont? Maintenant que t'es en pont, non? Ouais, mais ça, c'est dégueulasse, madame. Et il veut pas, hein. Et il veut bien ici, mais... Pff, c'est de la merde. Les nouveaux avions. Ah oui, là, on va commencer à avoir des avions de tarés. On peut se coller ici, mais est-ce que ça a vraiment un intérêt? Je pense pas. Hein. Je pense pas que ça a vraiment d'intérêt de se coller. Donc là on a atteint les vitesses max, donc c'est pas très intéressant. Et donc on veut que lui, il aille ici. Pour l'instant, il est pas d'accord. Et ça veut dire qu'il faut juste faire les sorties ici. Cependant, lui il va nous casser les pieds en étant poli. Alors donc le dégager. Où est-ce qu'on peut le dégager? Ouais. Pourquoi on le mettra électrique? Je ne sais pas. Viens ici. Viens 2 mètres plus loin. Comme ça là il gêne moins. Ici. Est-ce qu'on peut déjà passer en pont ou pas? En passant en tunnel, hein. On peut passer en tunnel ici pour. Ouais, mais pour lui non. Pour la route, on fait passer la route en tunnel et puis lui on le fait passer en pont après. Ça peut dégager. Là les zigzags on s'en fout. Et donc ça peut passer en tunnel. Ou en pont. On peut passer en pont. On passe en pont et le comme ça l'autre il passe en dessous. Là, les autres ils passent tous en dessous.
pas si on est bien calé là par contre. Ah, c'est ok. Ok, c'est ok. Et on commence à se... Non, on va pas commencer à se lever donc. Si on va ici, on va là. Ensuite là, on va... On va ici. On peut se rejoindre. On va se rejoindre dès le début. Parce qu'en fait, c'est quand on se rejoint trop tard qu'on perd de la vitesse et donc ça n'a plus d'intérêt. Voilà, ça décale les poteaux, mais c'est ok. Et là, on passe en... Là, on passe en dessus. Voilà, on a la distance pour monter. Pour faire le pont. J'espère juste, par contre, qu'il va pas nous dire des conneries du genre... Genre, ta vie, c'est de la merde. Qu'est-ce qui... What is he rolling? Il veut pas faire le même pont? Bon. Il n'y a plus besoin d'être en pause d'ailleurs. Ah, il fait pas la même chose du tout. Skenorman. C'est quoi cet homme, cet immondice qu'il nous a fait là? Ah, colle-toi aux autres, toi. Visiblement, c'est lui qui ne suivait pas. Bah, super. Super, super. Vas-y, fais ça. Mais pourquoi ils collent pas? Pourquoi ils veulent pas? Ils veulent pas faire la même chose. Ah, là, il veut bien. Il veut bien coller ici, mais pas avant. Et puis l'autre, il... Bon, bah, d'accord. Vous allez vous coller comme ça, comme des clodos, et puis c'est tout. Alors, ensuite, si on relie direct, qu'est-ce qu'il va nous dire, lui? Qu'est-ce qu'il va nous dire si on relie direct à là-bas? Ouais. Ça m'a tout l'air d'être totalement ok, hein. 273 km/h, quasiment 300 tout du long. C'est oui. C'est oui. On achète. Alors ensuite, est-ce qu'il va bien vouloir... Non, c'est bien ce que je pensais. Il veut pas se relier au même à côté parce qu'il dit c'est pas le même pont. Là, c'est super. Voilà, je vais le relier comme ça parce qu'autrement... Il va nous dire de la merde en boucle. Toi... Est-ce que tu veux bien... Ouais, il va pas vouloir... Et puis là, il va vouloir faire de la merde. Bah oui, c'est ça le problème. C'est parce qu'ils sont pas collés, alors il se dit, je suis pas collé, je le connais pas ce gars-là. Et si, tu le connais. C'est Jackie. Ça, c'est notre erreur d'ici de pas les avoir collés dès le début. Non, c'est pas la route en dessous que je voulais détruire. Excusez-moi. Pour la peine, on vous améliore votre route. Excusez-moi beaucoup. Par contre, oui, avec la route d'en dessous que je viens d'améliorer, ça va peut-être plus passer. J'ai détruit un arbre? Oui, j'ai détruit un arbre, ça va. Donc là, on va se coller directement. 80 km/h. Voilà. Donc, comme ça, on se colle. Colle-toi. Vas-y. Est-ce qu'il va nous dire que ma vie c'est de la merde ou pas? Il est collé là ou pas? J'arrive pas à savoir. Non, j'ai l'impression qu'il veut juste aller en ligne droite, il est pas collé. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille moins loin là. Mais qu'est-ce que... Pourquoi il veut pas se coller à lui? C'est pas de la même religion, c'est ça? Problème religieux? Là, il veut bien se coller. Faut savoir, hein. Vas-y. Colle-toi. Et donc maintenant, est-ce que tu veux bien te relier avec l'autre bout? Non.
Ah, ça, il va nous faire chier, celui-là. Hein. Celui-là, vu qu'il veut pas se... il veut pas considérer que c'est deux trucs collés. Je ne sais pas pourquoi. Eh ben, il fait n'importe quoi. Ah. Mais... ah. S'il fait les caténaires en commun, c'est que c'est OK. Peut-être. Peut-être va-t-il vouloir. Oui. On va y aller au fur et à mesure parce que bah, il est pas content. Hein. Il est pas content, le gars. Vas-y. Voilà. Et toi. Voilà, nickel. Comme ça, là, on est relié. Et il reste plus que le dernier. Le transcontinental. Ben voilà, nickel. Donc là, on a fait le transcontinental entre la Nouvelle-Orléans et ce niveau. Maintenant, il reste plus qu'à relier les autres. Eux, on n'a rien fait pour l'instant. On a mis, juste mis le train sous terre. J'aimerais bien faire ce niveau. Ce niveau. Wichita, Wichita, pardon. Ce niveau Wichita. Donc, ça va être que l'une des deux voies. Et donc, il va falloir faire ça. Grosso modo, il va falloir faire ça. La question, c'est comment on le fait. Sous terre ou... je pense qu'on va plutôt aller sous terre parce que après on est dans des tunnels pour passer sous les montagnes, que la montagne est belle. La question ce que je me pose c'est est-ce qu'il vaut mieux prendre le virage très large pour aller plus vite ou moins large pour avoir moins de distance. Ça, c'est une vraie question. Partir d'où qui rentre dans le tunnel ? J'ai l'impression qu'il faut vraiment prendre très large pour qu'il... hein. Voilà, 150 km/h, on va se dire que c'est OK. Donc oui, c'est la ligne intérieure, oui. Vas-y. Ensuite. Il est où le pixel ? Je sais pas. Je sais pas où il est le pixel. Donc on va de là, et on va à ce niveau. Alors là, normalement, on veut du 300 km/h. Hein. Alors, est-ce qu'il va pouvoir faire en mode automatique ou pas? Ou ça sort de la map? Ça sort de la carte? Est-ce que c'est important? On a tendance à dire que oui. Donc, on va peut-être pas faire ça. On va d'abord lui faire en sorte qu'ici, il tourne. Ici, ça braque, chérie. Ici, on va braquer un max pour rejoindre de ce côté-là. On veut aller en ligne droite là-bas. Donc on va se dire que comme ça, c'est OK. Et donc on fera tout du tunnel ici, pardon. Voilà, donc toi, tu vas aller ici, en ligne droite. Alors, il faut retrouver le pixel. Il est là-bas, le pixel. Il est ici, le gars. Et donc, voilà, on le relie ici. Et oui, tout est en tunnel, magnifique. Ou alors on met en terrestre et on fait une tranchée dans les montagnes. C'est non. Tout en tunnel. Voilà. 34 millions de dollars. Ça, c'est pas cher. On est en train de faire Eurotunnel. Espérons qu'on n'ait pas le même destin. La Nouvelle-Orléans, il y a une nouvelle usine de vis. Enfin, de d'outils qui vient d'être créée à la place de l'usine d'outils. On est super content. Pas du tout. Allez. 17 millions, vu que le tunnel est déjà creusé, pardon. Je vais dire troué, mais non. Donc, ok. Donc là, on a Wichita, Sunnyvale, Nouvelle-Orléans, mais on n'a pas la fin de la boucle. On n'a pas Nouvelle-Orléans, Wichita. C'est le seul truc qui nous reste pour la boucle. Pas pour le transcontinental. Pour le transcontinental, il manque un peu plus. Cependant, le transcontinental entre Wichita et Nouvelle-Orléans, c'est le même. Donc il y a une voie quadruple branche à faire. Donc ok. J'aimerais bien passer en aérien cette fois. Ah, ou peut-être pas du long. Pas tout du long. Parce que là, il y a une montagne. J'aimerais bien faire ça, je pense. Peut-être passer ici. Passer ici, ça serait intéressant. Puis là, passer en aérien après. Alors, toi, tu passes ici. Tu peux commencer à monter.
Ah non, 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 tu vas rester à ras du sol. Tu vas passer ici. Tu vas passer là, avec toi. Voilà, magnifique. Et les deux autres, transcontinentales. On va le faire rejoindre l'autre parce que, autrement, on va avoir le même merdier que la dernière fois. Et on veut pas. Comme ça, toi, tu vas pouvoir longer. Et il veut toujours pas, il a toujours pas compris. Et là, fusionnez-vous, bordel. C'est chiant qu'on puisse pas faire directement une voie quadruple. Ça, ça serait bien. Comme on peut faire pour les... des routes plus larges ou des trucs comme ça. Pourquoi on peut pas faire une voie de chemin de fer plus large? Très bien. Donc oui, on est ici. Un Moreno, ça ferme, d'accord. Volume en fou. Donc ok, là on est arrivé ici avec nos voies. Il ne reste plus qu'à aller ici. Si on y va en direct, qu'est-ce qu'il nous fait? Juste pour la science. Ben, il nous fait de la merde. Mais il passe exactement là où je voulais. Donc ça c'est plutôt bien. C'est-à-dire qu'on est dans la bonne direction. Maintenant, il faut donc passer par ici. Là, comme on est en tunnel, je pense qu'on va passer en hauteur. On va passer en hauteur là-dessus. Voilà, passer des petits tunnels, enfin des petits ponts ici. Passer ici. Par exemple. Et tu vas là-bas, toi. Et toi aussi. Voilà. Parce que là, il y a le tunnel ici. Donc, si on passait en tunnel, ça aurait posé problème. Ensuite, si on y va direct. Si on y va direct, c'est très cool. Ça va à 300 km/h quasiment tout du long. Tout du long, même. Littéralement. Là, let's go. Let's go, let's go. En plus, les ponts, c'est magnifique. Parce que les tunnels, bon. Je ne sais pas si vous êtes allé déjà dans un tunnel, mais le paysage est moyen. La vue, on repassera. On repassera. Alors qu'un pont, vous pouvez regarder le paysage, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui. Est-ce qu'on peut aller ici? Le problème, c'est que lui, il doit se rejoindre. Bon. Tu vas là. Ben voilà, nickel. Nickel, nickel. Et tu 300 km/h tout du long, c'est magnifique. C'est magnifique. Non. Mets-toi sur le pont pixel, je t'en supplie. Bon, ben voilà. On a fait notre autre chemin. Donc là, on a une boucle supplémentaire entre Sunnyvale, Nouvelle-Orléans et Wichita Falls. On va même pouvoir doubler dans les deux sens, si on veut. C'est beau. Donc on va la mettre en route, on va mettre les tramways et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Donc sud, passager, train, passager. Donc entre le Wichita, Nouvelle-Orléans, Sunnyvale. Mais là, normalement... Ah d'accord. Il veut faire demi-tour, lui. Pour lui, ma boucle, elle est pas rentable. Ou elle est pas reliée, ma boucle? Ah, il veut peut-être pas s'arrêter à la bonne annexe. Si. Ah, c'est peut-être ici qu'il est pas la bonne annexe. Si. Ah oui, c'est juste que pour lui, c'est pas rentable de prendre la boucle comme ça. Donc faudra lui imposer de prendre ma boucle. C'est très chiant. C'est très chiant, madame. Alors. Point de cheminement ici, et puis voilà, comme ça il fera la boucle. On veut qu'il fasse la boucle, parce qu'après, ça va nous poser des gros problèmes si on rajoute des... locaux. Voilà, comme ça, là, il fait la boucle. Comme ça, on est sûr qu'elle marche bien. J'ai mis un autre point de cheminement de l'autre côté pour l'autre boucle dans l'autre sens pour plus tard.
Donc c'est ok, c'est ok, c'est ok. On va mettre une loco dessus. Alors, où la mettre, ça c'est la bonne question. On va peut-être la mettre ici. Peut-être la mettre dans le coin là. J'avoue que comme on est en souterrain partout ou en pont, bah y a pas trop de, y a pas trop d'accès nulle part. Donc c'est compliqué. Est-ce qu'on a des nouvelles locaux? On a un train électrique qui va à 200 km/h. C'est intéressant, mais qui a peu de traction. Si on fait ça, et on rajoute plein de wagons. Il atteint les 200 km/h en 3 minutes. Oui. Comparé à un... Attends. Comparé à ça... Il va quand même plus vite l'autre. Ah, si j'en retire un... Ah, si j'en retire un, il atteint plus vite. On va tester, on va tester. Alors, c'est sud. Sud train passager. Lui, il fonce. Moins de capacité aussi. Oui, mais c'est juste pour tester. C'est pour ça. Parce que là, déjà, il est complètement ivre. Il fait pas du tout ce qui est prévu par le plan. Donc, on l'adore. On l'adore. Il va falloir lui faire des bifurcations parce qu'il est dégueulasse ce train. Est-ce qu'il va pouvoir changer de voie là? Voilà, ça il change de voie. Ouais, il va faire un tour gratuit pour rien. De toute façon là c'était juste pour la déco parce que voilà. Il va falloir améliorer d'ailleurs les tramways. Il va falloir passer au tramway pour les villes. Tramway. Il nous faut ça. Ah, où est-ce que je peux faire outils? Outil de tram. Oui, je peux mettre du tramway direct. Comme ça, ça sera plus simple. Ça nous permettra d'éviter de modifier toutes nos routes à chaque fois. Maintenant, ça tram, on s'en fout. Ah, mais ça électrifie pas. Si ? Ça électrifie ou pas ? C'est ça que j'ai pas... C'est pas clair. Si ça électrifie pas, ça me sert à rien. Mes tramways électriques, ils vont dire, bah, tu fous ma gueule. Fous ma gueule. Qu'est-ce qu'ils font, les bus, là? La merde, tout à fait. Voilà. Oh, j'ai pas l'info si là, c'est électrique. Électrique. Ah oui, c'est déjà électrifié. Ok. Ah, il y a celle-là qui n'est pas électrifiée, cependant. Bah. Ah, si, elle est électrifiée, mais c'est juste qu'elle n'est pas au même style. Alors, est-ce que tout est relié pour faire un tramway à la place? Oui. On en a tout l'air. On pourrait mettre un tram ici. Donc, est-ce qu'on a une gare de tram? Pas du tout. Il va nous falloir une gare de tram. Si on met un tram, mais il n'y a pas de gare de tram, ça va servir à rien. On va la mettre juste après ici, je pense. Autrement, je vois pas trop où est-ce que je vais la mettre. On va la mettre ici, cela dit. On va peut-être la mettre ici. Et on va donc électrifier. Bien sûr, je veux la mettre ici. Non, on va électrifier les voies. Comme ça, les trams vont pouvoir venir d'ici. Alors, on a quoi comme tram maintenant? Maintenant, on a le Toronto. On va prendre 5 Toronto. Et il ira sur Wichita Bus. Qui n'est plus du tout Wichita Bus. Après, on peut laisser les bus. Mais ça va finir par se voir. Il y aura beaucoup trop de capacité de passagers. Et ça va prendre trop de chemin sur les routes. Ça sera plus rapide de tout sélectionner et de virer juste les trams. Voilà.
on va en mettre 10 parce que ici il y en avait vraiment beaucoup de bus, donc ça veut dire que bah, la ville est quand même assez grande. Comme ça c'est bon. Wichita bus, c'est Wichita tram. Donc comme ça pour Wichita c'est bon. Et là on a nos premiers passagers. 33 passagers, bravo. Et là il y en a déjà 50 des passagers, bravo. Donc ils veulent prendre lui. Bah c'est super. Donc, ici, a fait quoi notre ligne? C'est un peu dommage ça. On ne peut... Est-ce que je peux avoir les lignes? Non, j'ai pas moyen. Moi j'aurais bien aimé voir les lignes qui sont empruntées par le truc. Plutôt que de chercher mes garde-bus et de viser au pif sur là où j'estime qu'il sera le trajet de mes bus et trams. Il y a des endroits où j'avoue j'hésite. Par exemple avec lui, comment il est relié lui. Ouais. Puis là, on est comment? Ok. Et donc, on veut faire venir des trams, donc on va lui faire ça en tram et puis on va lui mettre les trams. Oui. Donc, Wichita Bus. Ça dégage les bus et on met 10 trams au bourrin. C'est Nouvelle-Orléans bus. Impossible de trouver un chemin. Ah bon? Ah oui, en effet. Non mais je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord avec vous. Hein. Nouvelle-Orléans, voilà. Donc c'est plus bus, c'est tram. Voilà. Comme ça, là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Parce que ça va plus vite et ça prend moins de place sur les routes. Enfin, ça fait moins chier les gens. Ça pollue pas. Aussi. Donc ensuite, il nous reste ce niveau. Alors là, ce niveau, tout est à faire parce qu'on n'a rien fait. Donc voilà. Donc on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ça, c'est sûr. On va aller ici. On va prendre la voie la plus grande. Et on va faire une petite boucle comme ça. Parce que la ville est pas très grande vu qu'on n'avait rien. Pour que les gens puissent avoir le droit au bonheur. Donc ici, on veut un arrêt. On veut un arrêt ici. On veut un arrêt ici. On veut un arrêt ici. Un ici. Et un ici. Oui. Et donc, il nous faut une gare de tram, évidemment. Comme le tout à l'heure, on va le mettre centré. J'aime bien l'idée. Ça gêne moins. Et c'est relié. Donc ça sera ce niveau. Tram. Donc de la gare à là, puis là, puis là, puis là, puis là. Tout simplement. Tout simplement. Et donc là on va en prendre que 5 cependant, parce que ce niveau, il n'y a pas tant d'habitants que ça. Et la boucle est petite. Donc voilà. Et comme ça, là, le train aura plus de succès aussi. Vu qu'il y a des gens qui vont pouvoir se déplacer dans la ville. Et pas juste aller à la gare. Là, il commence à y avoir du succès aussi. Et là aussi. Notre train... Ouais, c'est bon, il fait des boucles. Je sais pas s'il atteint les 200 km/h, cela dit. Normalement, oui. Je pense qu'on va plutôt mettre des métropolitains à l'ancienne. Hein. Ils m'ont l'air mieux. Hein. Parce que celui-là, ouais, c'est sympa, mais il a pas tant de force de traction que ça. Je pense qu'on va mettre ça. On va en mettre deux. Deux en plus de l'autre. Plus de transpassagers, voilà. Ils vont les rejoindre et puis ça sera nickel. Par contre, ouais. Petite jonction comme ça.
Ah, c'est magnifique dans les tunnels, on adore. Histoire 2. Par contre, oui, c'est vrai qu'il va falloir faire ça. Il va falloir qu'on fasse la signalisation là-dessus. J'avoue que j'ai la flemme, on la fera la prochaine fois. Parce qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais autrement, on a fait une autre boucle et on a avancé le. Enfin, on a fait un autre chemin du transcontinental. Il nous manquera plus qu'à relier Pueblo à Wichita. Et donc, on aura encore relié trois villes de plus d'un coup pour le transcontinental. Donc, c'est très bien. Et il restera une, deux, trois, quatre villes à relier. À cinq, parce qu'il y a Cleveland aussi. Donc on rejoint Salem à Cleveland et Cleveland à Chattanooga parce que je crois que ouais, Cleveland il est pas du tout relié nulle part. Donc ouais, faudra faire quelque chose pour finir le transcontinental. Mais ça approche, hein, ça approche, on avance bien. On avance bien. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, oui. J'ai un nouveau bateau, je vais juste regarder ce que c'est. Un Graf Zeppelin. Plein de passagers et 35 km/h. D'accord. Bah, c'est pas beaucoup mieux que le Zurich, mais d'accord. Bah, vraiment pas vite les bateaux, hein. C'est impressionnant. Ce qu'on a aussi, c'est des nouveaux avions. Bon, on n'en a plus que deux. Ah, c'est parce que c'est des petits avions. Si je veux des gros avions, il faut que je fasse un gros aéroport. Là, j'ai que des petits aéroports. En gare pour petits avions. Donc c'est pour ça, il faut que je fasse les aéroports gargantuesques. Mais bah madame, il n'y a pas la place pour le remplacer. Il faudrait faire un polder. On verra ça. On verra ça. En train, oui, j'ai rien de nouveau. Et en camion. J'ai des nouveaux camions. J'ai de nouveaux bus. Des bus qui vont même à 80 km/h. C'est beau. Et j'ai des vrais camions. Transporte 25 marchandises qui vont à 80 km/h, c'est beau. Bon. Bref. Oui, on va s'arrêter là. Donc, bon appétit à tous. On se voit cet après-midi à 14h pour Heart of Iron 4, la suite avec la Belgique. Et à 17h pour Crusader Kings. Et on continuera cette partie mercredi parce que demain matin, je peux pas. Donc, il n'y aura pas de stream demain matin. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bon appétit et à la prochaine. Des bisous à tout à l'heure pour ceux qui veulent. Et des bisous Saito. Allez, bon après-midi. Tout à l'heure peut-être pour Heart of Iron. Des bisous. Bye. À plus.